allez, let's go, on va aller par là-bas. J'espère que c'est pas une île non plus. Ah, il y a un donjon. Ça peut être bien. Hein. J'espère juste que c'est pas une île. On va se crafter un petit bateau. Alors de mémoire, c'est ça. Wesh, ma mémoire est bonne. Allez, go. Go, moussaillon! Alors ça, c'est mon personnage. Tac. Regardez comme il est beau. En avant! Souquet ferme! Mais sur cette île, il y a un donjon, c'est très bien. J'espère juste que c'est pas une île, en fait. Ouais, ça lag à mort. Parce que là, si on va d'île en île, ça va être compliqué, quoi. C'est vraiment très beau. Vraiment très joli, non? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, les amis? C'est pour ça que ça fait longtemps que rien n'est sorti sur cette chaîne. Il a fallu paramétrer tout ça, les gars. Oh, des vaches! Il a fallu paramétrer tout ça et ça a pris un temps fou pour que ce soit stable. Pour mettre les bons modes qui vont avec les uns avec les autres, les trouver déjà les modes, essayer d'imaginer un peu le concept, ce qu'on va pouvoir faire. Oh! Il y a un village ici. Il y a un village, il y a des vaches, mais je crois que c'est encore une île. Hein. Je crois que c'est encore une île. Ce serait cool que non. Là-bas, il y a une autre île, il y a des moutons. Les moutons, ça c'est bien. Je sais pas s'ils appartiennent à... Ça, c'est des Romains, ça, par exemple. Je sais pas s'ils appartiennent aux Romains. S'ils appartiennent aux Romains et que je les tue, ils vont me défoncer, les mecs. J'ai pas envie. Me faire éclater la tronche. Gratuitement. Vas-y, casse-toi, toi. Les vaches non plus, je sais pas. Bon, eux, on va les tuer, ces trucs-là, là. Ça, c'est de la viande. Viens là, toi. Non, 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 tu fuis pas. Tu fuis pas. Non, mais toi, tu vas pas fuir, du coup. Eh merci. Ils font un peu peur ceux-là, mais ils sont pas méchants. C'est juste des sacs à PV qui donnent de la viande. Et toi là, le bébé, viens là. Ah bah les bébés ils donnent rien. Rip. Putain, le soleil va se coucher déjà quoi. Aïe 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 aïe. En vrai, faudrait que je les flingue les moutons. Je pourrais me faire un lit et passer les nuits quoi. Parce que là, ça commence. Oh, c'est bien là. C'est pas mal ici pour s'installer. Ouais, c'est pas très très plat, mais bon. C'est pas très très plat. Mais c'est pas mal. On peut aplatir, hein. On peut aplatir, ça c'est pas un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, calmez-vous les chevaux là. Les chevaux, les zèbres, on se calme. Ça aussi, c'est de la bouffe, ça. Vers là-bas, ça me paraît bien, non? Putain, le soleil se couche. Voilà, c'est super ici. Là, c'est top! Oh les... Il fait nuit, c'est la crise. Là, c'est vraiment la merde. On va passer la nuit, les gars. On va passer la nuit à rien foutre, je pense. On va s'enfermer dans une boîte. Et je vous reprends dès que... Je reviens dès qu'il fait jour, du coup. Faut que je trouve une solution vite, là, parce que les ennemis vont apparaître. Là-dedans. Là-dedans, faudrait pas que ça me tombe sur le coin de la face. Allez. Ok, bon. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Oh, il fait un temps de merde. Incroyable. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, où peut-on s'installer? Vers ici, en tout cas. Ça me paraît bien. C'est relativement plat. On va prendre un peu de haute. Putain, c'est un carnage cette pluie. Vas-y, stop la pluie. Stop
Stop la pluie. Stop la pluie, s'il te plaît. On va se mettre à partir de là, je pense. Voilà, ça me paraît bien là. J'ai essayé de farmer un peu pendant la nuit, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon. Je pense ici, hein, c'est très bien. Faut que j'ai la place. On peut se faire une petite extension portuaire là-bas. Tac. Voilà, très bien ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Yes. On va faire combien? Je pense 40-60. Ça me paraît bien. 1, 2, 3, 4. 40. J'arrive à 18, c'est bon. On va suivre le relief, tant pis. J'ai plus rien? Ah si, je viens de pas. Wesh, si vous voulez. Vas-y, dégage. What? Attends, mais quand tu as la pluie, il y a des... Il y a des ennemis quand tu as la pluie? Des loups là. On a failli crever là. Faut jamais creuser un truc comme ça. Dis. Jamais au grand jamais creuser en dessous le sol. Là, s'il y avait de la lave ou quoi, j'étais full mort. Voilà, c'est l'enfer là. Gros, c'est la merde. Pourquoi y a... Il fait nuit. Le jour se lève, la pluie s'est enfin calmée. J'ai un peu creusé là, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé de la pierre quoi, c'est tout, que je fais chauffer. Parce qu'en fait, dans les défis, je vais devoir faire une immense forteresse en pierre taillée. Pierre taillée, du coup, c'est ça. Tac. Voilà. C'est ça. Donc ça va être ma forteresse qui va être faite comme ça. Là, pour l'instant, j'ai fait... Il y a des ennemis là. Il y a des ennemis, je le sens. Putain, c'est incroyable, je peux pas m'en sortir quoi. Et du coup, ouais, donc là pour l'instant j'ai fait le contour avec pierre normale, mais. Y a quoi là qui traîne? Le bâtard. Et les creepers? Ceux-là ils sont tranquilles. Mais il y en a. Genre lui là-bas, le violet là, il m'a one shot. Il one shot donc le violet faut vraiment pas s'en approcher. Et non, le violet peut-être qu'il one shot pas, mais lui là-bas en tout cas il one shot. C'est très dangereux les creepers. C'est très très dangereux. En même temps, c'est de la merde ma cave là. Bon, on va se faire ça.
J'en ai 44 à peine. Voilà, vas-y. 64. Ok, bon. Écoutez, on va essayer de se faire ça. Juste les contours de notre. Putain. Les contours de notre future forteresse. Et merde! Bah du coup, on aura juste trouvé l'emplacement aujourd'hui, je pense. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, la vidéo va être vachement longue. Hop, 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 le Togmor du futur intervient un peu. Donc la vidéo était déjà montée. J'ai vu un peu ce que ça donnait. Donc au fur et à mesure, voilà, on essaie de peaufiner un peu quand même. Ben bref, donc en gros, oui, la vidéo est vachement longue. Après, je vais parler de tous les défis, mais je vous ai fait une vidéo justement pour bah, éviter que cette vidéo dure 3 heures et que je parle des défis sans trop que ce soit rébarbatif. Bref, donc la caméra est revenue, déjà ça c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans l'épisode 2, donc celui qui va suivre, il va y avoir pas mal de farming et bah, de terraformation pour créer la forteresse et créer le territoire. Créer le terrain en gros, parce que vous avez vu que c'est un peu tout bosselé tout ça. Donc ne vous étonnez pas, il va y avoir des grosses coupures parce qu'au début j'avais laissé beaucoup de moments de farming, beaucoup de moments où je posais des blocs et tout, mais je trouve pas ça super intéressant. On est plutôt là pour essayer de faire de l'action. Donc il va y avoir des grosses ellipses, des gros moments coupés. Je vais vous montrer quand même les résultats et tout ça, évidemment. Vous allez voir que la forteresse va évoluer, mais. Pour pas que ce soit trop chiant les épisodes, j'ai décidé de couper. Bon, évidemment, je ne triche pas. Je farm tout ce que je pose. Et quand je le pose, ben, je le pose à la main. Voilà, en gros, c'est tout. Donc, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de l'épisode 1 de Minecraft Hardcore Extreme. What the fuck? On n'en peut plus. Ça va être super dur parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Et puis, ben, rendez-vous dans l'épisode 2. Allez, ciao, guys!